Salut tout le monde, c'est Madu36 et je suis avec Dimorex pour vous présenter une aventure de survie qui va durer on sait pas combien de temps. Salut Dimorex. Salut. Bon allez, on y va cette fois-ci. Ouais, bon. Oui, là je triche, j'ai ramassé de la dirt. C'est pas grave. Bon, on vous présente, donc on va faire une aventure suivie qui va être différente des autres, tout simplement parce que vous allez le voir. On est sur des îles volantes. Voilà, donc si on est des noobs, ça dépend de quel point de vue on se place. Ouais, donc si on saute, ça fait ça. Si vous avez jamais vu ce que ça donne, voilà, fell out of the world. Voilà. Bref, c'est pas... C'est pas le plus important, on s'en fiche, on évitera de faire ça. Hein. Donc on va faire une aventure tout simplement sur des îles volantes. Attends, je crois que je suis encore en game mode, moi. Ah non, c'est... Bon, je testais pour voir. Ouais, c'est bon, allez, on y va. Comment ça, Gamma? Bon, eh bah, c'est parti, on va commencer. Hein. Fait de se mettre à l'abri parce que je vois qu'il y a du creeper de partout. Pardon. Et le pire, en plus, il y en a des arbres, donc on est à l'ombre. Donc, les zombies et tout bazar, j'entends que ça grogne de partout. Ouais, ça, c'est pas grave. Donc, Madu36, je mettrai un lien dans la vidéo vers sa chaîne. Il fait principalement des vidéos sur un jeu qui s'appelle Dark Orbit. Donc, Et c'est sur ma chaîne qu'on les met les vidéos. Non. Tu veux le mettre sur la tienne? Bah oui. Tant mieux, ça polluera moins la mienne. Elle est déjà assez plate comme ça. Donc, ouais, bah, explique-nous un peu le principe de Dark Orbit, si tu veux, pour ceux qui connaissent pas. Non, j'ai pas envie. Vous irez voir, comme ça me fera des vues. Voilà. Bon, bah, ça c'est fait. Voilà. Donc, vous allez nous proposer des défis dans les commentaires pour le peu que vous allez être. Bon, vous nous proposez des défis, un coffre entier de blocs de diams, sinon... Ouais, c'est pas tellement envie de passer minuit. Des trucs faisables, quoi, par exemple. Bien que ça puisse être faisable. Relier 30 îles par des ponts ou des trucs dans genre, quoi, des trucs faisables. C'est difficile quand même, ça, mais bon. Je sais pas pourquoi, relier 30 îles, oui, bah les gars, quand on sera riche, parce que pour l'instant on est des gros pauvres. Bah, on commence. Dans cette forêt, je me paume, tu es où? C'est là. Faudrait qu'on essaie de dégager une part. Je vais dégager ici, faut qu'on se fasse une maison. Ouais, bah. Oh, regarde, là c'est plat, là, ici. Regarde, là c'est bien plat. Bon. Donc, pour ceux qui demanderaient, hein, mon pack de texture, c'est le Rapsus Pack. Et je crois que Matt, c'est pareil, non? Ouais. Voilà. Le pire, je m'en fiche, je filme pas. Ouais, mais bon. Tu sais, il y en a toujours qui demandent. Il y en a toujours qui demandent, donc voilà. Donc, bah, rien de spécial, hein, le début de partie, c'est toujours la même chose. Hein. On ramasse du bois, on se fait. Et j'entends qu'il y a des zombies qui crament. Non, moi je vois surtout des squelettes passer à travers les murs. C'est assez classe. À travers les murs, il n'y a pas de murs. Alors là, je sais pas si vous voyez ce que je vois. Normalement, ouais, mais il y a une grosse araignée beuillée. Quoi, monter des sangs? Purée. Je sais pas ce qui se passe. T'as combien de bûches, Dimarax? J'en ai 13. J'en ai 22. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as fait un bench? Alors j'entends que ça crie de partout là. Oula, tu fais quoi toi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, je l'ai défoncé. T'as récupéré mon stuff? Non. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Maintenant, oui. Maintenant, tu remontes. Faut, j'essaye de remonter. Casse-toi! Mais t'es fou toi! Viens! Monte à Mserim! Fais un pont, vite, ferme! Ah! Vous enfermez, bande de fumée! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, par contre, ne me demandez pas, le générateur de map nous a nous faire un donjon pas possible. C'est trop bien, bah au moins si on veut se faire de l'XP. Hein. Bah là, ouais, là, je crois qu'on est si chaud. Hein. Je me disais pour... Oula, il monte! Et il monte et il descend. Non, ils peuvent pas monter. Qui sont entassés là-bas dedans, donc on les voit sauter à travers. J'ai une question, si tu voulais faire la maison là? Bah on va faire un petit semblant de maison, ouais. Par contre, j'ai plus de boîte, à tout récupérer ce que j'avais. Non. Vas-y, t'as rien fichu, hein, moi j'ai 35 bûches. Bref, on s'en fiche, la maison on l'a fait où? Bah tu l'as fait là, sur le terrain plat. Là où il y a le vers la table de craft, j'ai ramassé un peu de bois encore. Je fais un truc tout petit ou un truc pas mal? Bah un truc pas mal.
Ouais, mais avec 35 bûches, je vais pas aller loin. M'en fiche, je suis en train d'en ramasser. Ou non, on va faire une maison souterraine, comme ça, ça fera le sous-sol. Maison sous... Non, ou alors une maison dans la falaise. C'est vrai qu'il y a avec des vitres sur le dessus. Bon, si on trouve du sable déjà. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de plages sur ce terrain. Bah vas-y, tiens, dis-moi où est-ce que tu veux que je la fasse. Moi, je voulais faire la... Là. Bah oui, je vais la faire où? Et après qu'on creuse, on fait une maison sous terre pour l'instant. Les pauvres moutons. Je leur donne un coup, ils décollent. Vers la fin du monde. On fait une maison souterraine. Ouais, tant qu'à faire. Et là maintenant on a terrasse grouillée. Tu peux aller bûcher, tu peux aller ramasser un peu de cobble si tu peux là-bas en bas. Si on trouve un peu de cobble. Bah ça c'est qu'il nous faut une pioche. On a une dans l'inventaire, t'as récupéré la mienne. Ah ouais, mais elle est un peu pourrie, c'est pas grave. C'est une pioche en bois, t'as récupéré un peu de cobble normalement, mais je sais pas si t'en as assez. Pour faire quoi? Pour faire une machine en bois? Bah une pioche en cobble. Donc je garantis pas que je vais pas me casser la figure. Non, j'en ai trois. Mais y en a là, remonte. Non, descends pas. Oula. Tant que ça? Ah oui. Alors là, si vous avez vu ça, si jamais il descendait plus bas, bah c'était plus de stuff. Une crêpe. Faut qu'on se dépêche, faut qu'on descends se dépêche. Là, vas-y, dans le trou là. Trois bouches. C'est pas reboucher qu'il faut là, il nous faut une pelle, il nous faut des lampes. Descends, redescends dans le trou. Ah oui, d'accord. T'as récupéré le bench? Oui. Quand même. Bah ramasse de la cobble. Ça sert pas là, tu t'en... Ramasse de la cobble. Bah ils peuvent pas rentrer les mobs. Si, le squelette c'est bien. Bon alors là, à mon avis, avec frappe, les enfants, vous allez rien voir. Mais quand je vous dis. Mais pose un bench s'il te plaît. Mais creuse! Il y en a besoin de cobble peut-être. Ah là, y a un bench là. Voilà. Tu vas nous faire un four, on va faire cuire un peu de. Bah de bûche. Oh la honte. Bah toujours au début. Attends, je désactive le too many items. Hein. Oh là là, tricheur. Donc alors je fais quoi? Je fais une pelle, je fais quoi? Déjà tu fais un four, pour commencer. Et une pioche en pierre. Je fais une pelle et un four et si j'ai une pioche en pierre au départ. Pour aider un peu. Trop tard. Il me manque un de cobble pour faire une pioche en fer. Et bah t'en ramasses. Un. Bon j'en ai mis un peu beaucoup à cuire donc tu surveilles. J'aime ça être enfermé. La nuit est tombée très tôt aujourd'hui parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on... On essaie de faire en fait, on s'est loupé sur pas mal d'intros. Bah elles ont toutes été filmées, je pourrais peut-être faire une vidéo goodies du début de la série d'intro. Non, c'est bon. Téléphone qui sonne, des trucs dans le genre. Non, il n'y avait pas d'autres trucs, c'était que le téléphone. Ouais, bah il a quand même sonné trois fois. Hein. Deux fois. Non, deux. Ouais, c'est deux fois trop. Ouais. Bah si. Hein. Certes. Bon, toi, je crois que je vais te mettre un coup de pied aux fesses. Hein. Qui? Toi. Tu sais pas te faire une pioche? Non. Une pioche? Bah, attends, je vais en faire deux, je vais t'en filer une. Mais non, j'attends pas ça, moi, j'attendais que le charbon il finisse de cuire. Voilà. Qui a éteint la lumière? Toi. Passe-moi devant, je te dirai rien. Ok. J'aimerais un peu de stuff moi. Oula, trop freeze. C'est pas grave. Ouais, du charbon. Cela va m'illuminer. C'était pas bon, excuse-moi. Ouais, je sais pas. Alors par contre, au niveau des ressources, ça va être chaud d'en trouver, je pense quand même. Ouais, c'est pas possible. On va devoir refaire des économies. Hein. Ça va pas aller sur du par exemple full stuff diamant, hein. Ça va être loin de là même. Fous de moi. Hein? Tiens. Ah, désolé. Pioche. J'ai pioché. Pioche, pioche.
Là, c'est la pioche quand même. De quoi? Stuff. Sur ce pack de texture, elle est bien la pioche. D'accord, me dis pas qu'il y avait qu'un charbon. Si. Non, deux. Oh bah ça va. Trois. Non, je sais pas, il y en a combien, il y en a plein qui apparaissent. Non, c'est moyen avec trois. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ce que je dis, il va falloir compter sur les ressources style charbon Mirage. Bois, c'est un genre. Fais gaffe, j'ai pas envie de tomber sur le donjon des monstres là-bas, j'ai d'à côté. Mais je pense qu'on est juste à côté. J'ai en fait. Vu le bruit que ça fait, oui. Je pense qu'en fait, je creuse encore un et je suis dedans. Bah, j'ai creusé trop là. Ouais. J'ai déjà un stack de. Par contre, j'ai pas mis le timer, du coup, je sais pas, on est à combien. 5 minutes. Je sais pas. Non. Tu creuses comme je t'ai dit là. Enfin, comme j'ai déjà oui. fait. Bien les blancs, c'est trop là. C'est bien les blancs, mais ça sert à rien. Les blancs, quel bah blanc. Là on n'a pas parlé pendant 10 secondes à peu près. Ouais. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Sur ce jeu, c'est... Par contre, on entend des zombies, c'est un truc de malade. Ouais, va falloir aller mettre des torches là-bas dedans et finir. Non, hein. Tu as pu plutôt me faire une épée, tu vas voir. Ouais, faire une épée et mettre des torches. Les faire. Ouais. À la limite. Mais ça m'étonnerait pas que ça spawn ici aussi. Parce qu'on dirait, un peu un corbillard notre truc là. Il faudrait pas qu'on creuse par là pour pouvoir avoir une fenêtre sur la falaise, c'est pour être classe. Bon, on se fait une épée chacun, on cherche le donjon. Déjà fait. Parti. Je pense que c'est là-dedans. Bah, chacun de son côté, on creuse, on va trouver. Hein. Charbon. Ah! Un bon paquet même. C'est bon, on est riche en charbon. Lol. Oh, je l'ai trouvé. Déjà? Ouais. Attends, je vais prendre par dessous là. Ah, c'est commencé à y avoir du monde là-dedans. Ça va vite falloir torcher le machin là. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est bon, tu vois. Ah bah au moins ça dégage. C'est ce que j'allais dire. Deuxième dégage. Y'a là. Dégage, fumier. C'est quoi ce machin? C'est bon, plus personne. Oh là là. Eh bah on peut s'en servir comme pièce. Oui, bah. Oula. Oula. Peut-être pas en fait. Les enfants. Avant de s'en servir, on va reboucher, je crois. On va mettre une deuxième couche, je crois. Hein. Non, non, on va mettre de la cobble, je pense. Parce que ça résiste un peu mieux à l'attaque des creepers. Parce non, que là, c'est pas seulement ça, c'est pour se rappeler qu'il y a une couche dessous, quoi. Ouais. Oh la vache, comment on s'est fait destroy. Non, ça va encore, on a pas. C'est pas nous qui avons pris cher, c'est la pièce. C'était tout petit l'endroit. Hein. C'était. Et par contre, j'entends que en haut. Ah oui, d'accord. Il y a un trou là. Hein. Peut-être reboucher avec de la terre au lieu de reboucher avec de la cobble. Depuis quand t'es riche? Voilà. Quoi c'est éclairé là? C'est toi? Oui, oui, c'était moi ça. Ah d'accord, c'est passé par là. Du coup... Je sais pas s'il fait jour. Ouais d'accord, il y a un endroit qui est ouvert, personne. C'est pas ouvert, ils peuvent pas rentrer. Oui mais il y a les araignées, il y a les squelettes, ils peuvent nous shooter. Le soleil est en train de se lever. Parfait. Mais bon, s'il y a des pièces comme ça de partout, ça va pas le faire ça. Et j'ai l'impression que c'est le cas vu le bruit. Vu le bruit, j'ai hein l'impression que c'est le cas. Oui, ouais, ça va être le bazar cette aventure, je pense. Le problème, c'est que ça a dû faire des cavités de partout.
Et il y a juste la place pour faire spawner un monstre. Et je pense qu'on va peiner à trouver les monstres. Ouh, bonjour! T'es aveugle? Il y a des pieds de creeper, ça choque personne. Non. Mais c'est bien, au moins on peut les tuer comme ça. Bon. Ouais. Alors qu'on fasse un truc défensif. Hi-hi. Bonjour, deux dames. Mademoiselle. Oh là là, il y a du monde. Eh, j'ai compris pourquoi on en entend des blins cette Va nuit. falloir. Tu sais. Mais t'as vu le monde qu'il y a, toi? Bah ouais. Enlève-toi, j'arrive pas à les taper. Ah! Non, toi tu fais l'escalier, moi je m'occupe du fight. Tu ramasses pas mon XP, espèce de. Pourquoi tu ramasses mon XP en plus? J'étais niveau 3. Bah, je me rends tout, 4. Dépêche-toi. T'as tout mes idem, tu peux enlever la pluie parce que ça c'est un truc que j'ai horreur et ça me fait laguer. Ça c'est une des choses que je m'autorise à faire, c'est enlever la pluie. Tooling, don't fall, forward, world. Ah c'est bon, ça part. Ah. Alors j'ai des yeux d'araignée, ça sert pas à grand chose. Pourquoi tu me redonnes mes affaires s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux là-dedans? Non mais des outils, je m'en fous du reste. Non mais ça c'est pourri. Pioche. Boy, tu me files des outils pourris. Mon épée s'il te plaît. J'ai pas d'épée. C'est ça qu'il me faut. Non, j'ai pas d'épée. Si. C'est qu'elle est Bah c'est pas dehors. possible. Mon épée! Rendez-moi mon épée ou je fais un malheur! Oui, je suis tout qui est là. J'avais pas tout pris. Il y a un creeper, il est totalement buggé, le truc il me regarde. Bonjour! J'essaie de pas le faire crever. Je l'ai crevé, ça. Ouais, peut-être pas une bonne idée ça en fait. Oh la vache, comment qu'il a chaud mon PC là? Quel kill de toute façon. ouais. Oui, plutôt oui. Faut pas courir trop vite là, je crois. Bah ça te stoppe net, on va dire. Non là on va faire un espèce de sas d'entrée. Si oui, oui, mais bon. Je vais faire une pièce la chambre. Oula. La chambre elle va être à ras de la falaise. On va juste commencer par torcher là-haut. Torcher. Avec des torches. Ah. Non parce que torcher chez moi ça veut dire chose. D'habitude mais bon, ça veut 10. Ohlalalalalalalala. Ok, qu'est-ce qu'il fout là lui? Tu peux avoir mon step s'il te plaît. Ah bah voilà, ça c'est du niveau moi. Je peux avoir mon step. Vas-y. Deux secondes. Je pense pas si c'est bien truc. Ça va pas le faire hein, au bout d'un moment. En fait l'araignée, j'aime pas ça. Step. Voilà, je suis niveau 4, tu permets. Épée, stuff. Alors les escaliers ça doit être à toi, le charbon c'était à toi, les os c'est à toi, je te donne ça, bon, je te donne os, ça, c'est ce que tu viens de récupérer. J'avais ça, des bâtons aussi. Des flèches. Ah bon. Merci. Si je veux faire des torches, ça ouais. Bien d'avoir des bâtons. Bon, ça c'est du bois au pire. Mais n'empêche, t'as one shot ouais, le truc, t'as mort, plus de vie. Bah avec ce pack de tissu, on se rend pas compte de la vie. Je sais pas si vous voyez sur. Regardez, c'est les petites barres vertes là, c'est pas forcément aussi indicatif que les cœurs. Mais bon, on s'y fait. Comme tout. Je suis en train de creuser notre chambre. Moi je suis en train de mettre des torches en. C'est bon, je suis à ras de colline. Par contre là, le ras de colline, j'ai intérêt à faire gaffe. Tu vois. Du charbon sous tes pieds. C'est loin en dessous de tes pieds, mais il y en a. Pour l'instant, on va tout faire en bouse là-haut. Hein. On modifiera après. Pas de la bouse, c'est de la terre. À tes tirs, de la bouse, je sais pas ce que vous avez avec la bouse. Oui. Puis c'est bon la bouse. Non. La bouse, mangez-en. C'est bon pour la santé. Ceci était un message de la. C'est bon pour le moral. Compagnie nationale de la bouse. C'est un message de l'UNPS. Ah ouais, c'est très intelligent de ta part d'avoir mis le bench ici. Je pourrais avoir des bâtons. Non, c'est bon. Je sais pas ce que t'as, mais moi je pose à la main.
C'est de la terre à la limite, c'est pas trop grave. Fais gaffe parce qu'elle est pas régulière là. T'es un malade. Moi je peux risquer pour faire ça. Là ça bug sur qu'il y a. Ah non, même pas. Il y a quoi? Non, je pensais qu'il y en fait. Je pense qu'on va s'arrêter là, je pense qu'on a fait les 20 minutes là. Ouais, on peut faire 30 minutes. Ouais. Je sais pas, à peu près. Et je coupe Skype 30 secondes, je vais aller faire quelque chose. Ouais. Donc maintenant je me retrouve tout seul pendant quelques secondes, j'espère. Pas trop longtemps. Il s'est pas mis, non c'est bon, il s'est mis un endroit bien. Donc, par rapport aux vidéos, voilà, ça va être des vidéos d'à peu près 30 minutes, dans la mesure du possible, je pense. À peu près une vidéo par toutes les, deux vidéos par semaine à peu près, je pense. Peut-être pas, faut pas exagérer non plus. Attendez, il me rappelle. Voilà. Désolé, j'avais bah, donc j'expliquais, ce sera une vidéo, à peu près deux vidéos par semaine. Je pense. À peu près deux vidéos par semaine d'environ 30 minutes. Hein. Au début, après peut-être qu'on augmentera. Je sais pas. Ça dépend de si ça marche ou pas. Enfin, je pense que ça va marcher, mais bon. Et puis voilà. Donc ouais, dites-nous dans les commentaires si le concept vous plaît, hein, d'aventure sur les îles volantes. Personnellement, c'est une idée qui m'a pris... Attention ! Qui m'a pris la tête il y a une heure, même pas. Enfin, qui m'a pris la tête, qui m'est venu comme ça d'un coup, il y a même pas une heure. Comme ça, d'un coup, j'ai eu envie de faire ça. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait, hein, si vous voulez faire pareil. Vous prenez un mode de génération de map avancée. Vous créez une map survival normale avec des îles volantes et tout. Vous vous mettez en mode créatif, vous vous baladez un petit peu. Et puis tout simplement après, une fois que vous avez créé la map, vous avez généré plusieurs îles. Vous la mettez sur votre serveur et puis voilà. C'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que la map a été faite. Il y a un squelette. Ah, j'ai plus de vie. Aide-moi. Ah là là. Par contre, ça c'est bien. Pour si on a besoin de se suicider, qu'on a plus de vie ou quoi que ce soit, on met tout dans le coffre en faute. Ça peut être pas mal ça comme technique. Creeper, vas-y, on fait la chasse à l'extérieur maintenant qu'il y a des. Je suis nul contre les creepers. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Je viens de remarquer. Moi j'ai mis kill moi, tu rentres pas. Je vais m'amuser, il y a 2-3 creepers dehors. Non, on évite d'utiliser les commandes, si tu veux te kill, tu sautes. Attention, il y en a qui te suit. C'est ce que je t'ai dit, tu mets tous tes objets dans un coffre et tu sautes. Mais je l'ai fait. Il y a un creeper derrière, toi. Comment t'as fait pour pas crever? J'avais toute ma vie. J'ai dit ouais. C'est pas joli joli. C'est moi ou les explosions des creepers sont plus grosses qu'avant? Non, c'est le bug de texture qui le rend. Non mais la pas ça, mais je parle la taille de l'explosion. On pourrait pas désactiver les explosions des creepers, il y avait un mode pour faire ça. Ah, elle est où? Quoi? Zombie! Va falloir sécuriser tout ça vite, hein.
Non, tu crois? Bah Enfin, c'est tu sais, la ça nuit en pop même de temps. partout. Je sais pas qu'est-ce qu'on fout dehors Yeah. par la nuit déjà pour commencer. Ah! Oh, il a fait une chute lui. Il avait fait une chute. Non, ça c'est une mauvaise idée, faut mieux reboucher. Parce qu'après ça va spawner de partout. Ah, c'est bien, ma vie elle se régénère. Si t'as la barre de faim qui est à fond, c'est normal. Bon, et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode, ça fait un bon petit épisode déjà. Ça Ouais, fait pour la c'est... peine d'une heure. Bon, ben, on vous dit à plus, et dans la vidéo numéro 2. À la prochaine! Salut.